Hey, salut les amis, on se retrouve sur Warband 2 pour le test du sniper et on commence bien avec le petit campeur que je tue en pleine tête. Regardez bien ça, il fallait le voir celui-là, hein. Il fallait vraiment le voir ce petit con quand même, il se cachait dans les broussailles là-bas. Et donc voilà, petit cuisca pour ce passage, voilà, le sniper silencieux du DLC, donc voilà, vraiment un très bon sniper avec un silencieux intégré, et c'est la première sniper qu'on a avec un silencieux intégré. Alors les gens vont se poser la question, est-ce que le sniper, il perd de la puissance? Eh bien non, je vais te dire que non, le sniper ne perd pas de puissance, il est vraiment excellent, les cuiscopes passent vraiment crème, vraiment, franchement, voilà, comme je vais te le dire, le revoilà le petit campeur. non, je rigole, mais c'est vrai que le sniper en lui-même, il est très bon, le sniper, c'est le sniper de liste, voilà, de liste, je pense que ça se dit comme ça, de liste. Donc il est très bon, voilà. Quand je veux dire que c'est très bon, le cuiscope passe très bien, la puissance elle est très bien. C'est vrai qu'avec le silencieux on a l'air de dire bon on perd de la puissance, non on perd pas de puissance. Seul truc que je vais vous dire c'est que vous avez pas vu l'image à l'écran que je mets d'habitude. C'est que j'ai pas eu trop le temps de le faire on va dire. Et excusez-moi. Et donc voilà, ce que je peux vous conseiller c'est le conseiller à mettre dessus, tir rapide. Voilà. Balistique, le balistique, le truc balistique comme d'habitude sur les snipers, voilà, et le chargeur grande cape, voilà, vous mettez ces trois accessoires, que je mets d'habitude, c'est vraiment les accessoires que je mets vraiment d'habitude, sur les snipers, c'est rare que je change le visé, parce que la lunette elle est vraiment très bonne, elle zoome bien, vraiment très très bon, donc, et voilà, vous mettez ces trois accessoires, voilà, donc comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, sur ce gameplay là, il n'y avait pas d'accessoires. Donc le sniper n'avait pas d'accessoires, je tiens à le dire, le sniper n'avait pas d'accessoires et je l'ai vraiment trouvé vraiment très bon. Pourtant il n'y en avait pas d'accessoires, j'ai dit vraiment, il est vraiment bon. Je pense qu'avec les trois accessoires, je vous garantis que vous allez, si vous savez bien jouer au sniper, vous allez faire un carnage. Franchement, vous pouvez faire vraiment un carnage avec ce sniper là, en visant vraiment bien dans le torse, à peu près, pas ventre, mais à peu près le torse, juste un peu près le torse, les pectoraux, voilà, à peu près. Là, je pense que vous pouvez faire vraiment, vraiment du bon taf avec ce sniper-là, avec ces trois petits accessoires. Et comme je vous le répète, j'avais pas d'accessoires sur le sniper, donc comme vous pouvez le voir, il était plutôt bon. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, voilà, la fin de la vidéo est sale. Voilà, clairement, je vous dis, j'ai quasiment pas fait de kill, parce que tout simplement pourquoi? Parce que, ben voilà, il y avait, je spawnais sur des bordels qui explosaient la gueule. Voilà, donc voilà, toi aussi, je pense que tu as eu l'expérience de réapparaître sur une mine qu'en fin de compte, elle était par terre et puis qu'elle t'explose à la figure. Voilà, à un moment donné j'y arrivais plus, donc voilà, veuillez m'excuser, mais c'est vrai que c'est très 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 rageant en ce moment, c'est pour ça que je fais pas trop de vidéos, bon j'essaye de vous les faire, parce que voilà, c'est le but de la chaîne de faire les tests, tout simplement, c'est voilà, c'est ce que j'aime faire, et il y aura toujours les tests sur la chaîne, ça c'est sûr et certain, c'est vraiment le truc que j'aime faire. C'est conseiller aux personnes, bien évidemment, quoi mettre sur les armes qui sortent, comme des armes DLC qui sortent, quoi mettre dessus. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, c'est pas évident de le faire sur World War 2, parce que comme vous pouvez le voir, regardez, je suis tombé sur une mine, je l'ai pas vu, et je me suis fait déglinguer la figure. Alors, c'est très, très rageant, et surtout que ça campe. Voilà, ça campe énormément. Quand le jeu sort, c'est génial, parce que les gens campent pas, donc vous les voyez plus souvent. Et on va dire que voilà, c'est pas pareil. Donc là, les amis, je vous laisse avec ce gameplay-là. Donc voilà, le sniper de liste, si je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais enfin bref, voilà, c'est le sniper avec le silencieux, donc la arme DLC. Et moi, je te dis à la prochaine, n'hésitez pas à commenter, bien sûr, à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, c'est dans la description. Et moi, je te dis à la prochaine, ciao, ciao, les amis. À la prochaine, ciao, ciao, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ciao, ciao. Appareil de reconnaissance.